Coucou. Bon, alors, on va se lancer. Enfin, je vais se lancer. Je vais faire une paire de chaussons bébés. J'ai besoin d'une paire de chaussons bébés. Donc, pour ça, j'ai pris de la laine, de la layette, hein, de la farfouille. Hein, c'est de la laine acrylique. Enfin, ne me demandez pas ce que c'est. Moi, je prends pas de la laine laine. Je prends ce que je trouve la moins chère. Hein. Donc, j'ai pris des aiguilles pour aller avec cette laine. J'ai pris du 3,5. Donc, pour celle, là vous allez vous casser la figure, je le sens. Pour celles qui ne savent pas monter les mailles, je vais vous montrer comment moi je m'y prends. Alors, c'est une paire de chaussons que Coco a déjà fait. Hein. Coco, elle les a déjà fait. Je lui ai dit, j'ai envie de refaire une paire de chaussons. Là, j'ai une paire de chaussons à faire. Est-ce que tu veux bien que je la fasse en vidéo? Elle m'a dit, bah oui, entre là. Hein. Bah, de toute façon, n'importe qui peut refaire, même toi. Voilà. En plus, c'est moi qui lui ai appris à les faire. Donc, moi, ce que je fais, je tourne mon pouce, je tourne la laine autour de mon pouce comme ça. Voilà. Ce qu'il y a, vous n'allez peut-être pas voir. Je pique mon aiguille, je mets un tour de laine et je tire. Voilà. Donc, est-ce que vous allez voir? Voilà. Je prends ma laine, je pique, je passe ma laine. Et je tire. Voilà. Il y en a qui font juste ça. Hein. C'est faisable aussi, juste tirer comme ça. Mais bon, moi, je préfère faire un tour. Voilà. Donc, je vais monter 31 mailles comme ça et je vous reprends pour vous expliquer ce que je vais faire. Voilà. J'ai monté mes 31 mailles. Voilà. Alors, le premier rang, je vais le faire tout à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'une maille à l'endroit? Je pense que vous savez, hein. On pique, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, on pique la deuxième aiguille dans la première maille, on prend la laine, ce petit bout de laine là, je le garde, ça me servira pour faire ma couture. Je passe ma laine, je ramène une maille comme ça, et je lâche. Je pique mon aiguille dans la maille. Je passe ma laine entre les deux, je ramène une maille et je lâche. Voilà, je vais faire ça jusqu'au bout. Voilà, premier rang de fait, un rang de mailles tout à l'endroit. Alors là, je reviens sur l'envers. Alors sur l'envers, je vais continuer à tricoter à l'endroit, mais par contre, je vais faire des augmentations pour la semelle, parce que là, je commence par la semelle. Donc pour la semelle, j'ai 31 mailles. La première maille, bon moi je tricote jamais la première maille, hein. Et entre la première et la deuxième, je vais aller chercher une maille au milieu. Voilà, et je vais la tricoter. Attendez, parce que là, c'est pas pratique de montrer comme ça, hein. Je la tricote, voilà. Après, j'en tricote 13, normalement, à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais reprendre une maille entre les deux. Entre les deux, je reprends une maille. Voilà, je pique au milieu et ça me fait une augmentation. J'en tricote 3, 1, 2, 3. Je reprends une maille entre les deux. Là, comme ça. Hop, le geste, comme ça. Tricoter, ça vous fait encore une augmentation et vous en tricotez 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On se retrouve avec une maille. On fait pareil qu'au début. On remet une augmentation. On pique entre les deux mailles. On tire une maille. Et voilà. Donc, on a fait 4 augmentations. On se retrouve avec 35 mailles.
à l'endroit, on va revenir tout à l'endroit, hein, on va pas s'occuper. Et quand on va revenir à l'envers, alors au lieu d'en prendre une au début, on va en prendre deux. On va continuer 13 mailles, on reprend, on refait une augmentation et on se retrouve avec 5 mailles au milieu. On refait une augmentation, on tricote les 13, on refait une augmentation et vous devez vous trouver avec deux. Vous revenez tout à l'endroit. Vous repartez sur l'envers, ça va être 3 mailles, une augmentation, 13 mailles, une augmentation, 7 mailles, une augmentation, 13 mailles, une augmentation, 3 mailles. Ensuite, ça sera 4, 4 mailles pour démarrer. Vous faites pareil, 4, une augmentation, 13, une augmentation, 9, une augmentation, 13, une augmentation, 4. Et ensuite, vous revenez encore à l'endroit. Vous repartez sur l'envers, 5 mailles, une augmentation, 13 mailles, une augmentation. Après, on se retrouve avec, je ne sais plus, 1, 3, 5, 7, 7 mailles, une augmentation, 13 mailles, une augmentation, 5 mailles. Et vous devez vous retrouver avec 51 mailles, puisque vous augmentez 5 fois 4 mailles au rang. 5 fois 4, 20, vous avez démarré avec 31 mailles, vous devez vous retrouver avec 51 mailles. Voilà, on fait ça et je vous reprends. Voilà, je vous ai expliqué. Bon, je me suis un peu emmêlée dans mes mailles du milieu, donc là, je voulais bien marquer. Alors, on monte 31 mailles, on fait tout à l'endroit le premier, le troisième, le cinquième, le septième, le neuvième rang. Le deuxième, quatrième, sixième, huitième et dixième rang, on fait des augmentations suivant ce que je vous ai marqué. Premier, alors deuxième rang, c'est une maille, une augmentation, 13 mailles, une augmentation, 3 mailles, une augmentation, 13 mailles, une augmentation, une maille. Et ainsi de suite. Après, c'est 2, 3, 4, 5. Et au milieu, c'est 3, 5, 7, 9, 11 mailles. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de regarder. Et ça, c'est la semelle. Voilà. Donc, je vous laisse pendant une minute à regarder. Je vous laisse une minute. Et ensuite, après, je vous dirai ce qu'il faut faire au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Donc là, j'étais chercher du bois, tout ça. Donc je vous ai pas repris tout de suite. Puis Coco vient de me dire qu'elle avait mis une vidéo en ligne. Donc je vais la regarder tout en tricotant. Donc je vous ai montré. Je viens de vous montrer l'explication de la semelle. Hein, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on débute à 31 mailles et c'est qu'on termine à 51 mailles quand on a fait ces 10 rangs-là. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fait cette semelle, moi, mon fil que j'ai monté les mailles, je le laisse toujours à droite. Pour moi, c'est l'endroit. Donc là, je vais faire 5 rangs à l'endroit. Non, pas 5, je vais en faire 3. 3 rangs à l'endroit, 3 rangs à l'envers. Je vais faire 6 rangs de jersey si vous préférez. Donc, je vais faire le rang à l'endroit et je vous montre après comment je fais la maille à l'envers pour celles qui ne savent pas. Hein. Voilà, j'ai fait mon rang à l'endroit. Alors maintenant, mon fil se trouve de l'autre côté. Donc, pour faire une maille à l'envers, au lieu de prendre votre aiguille comme ceci, on la prend dans l'autre sens, devant vous. Bon, la première, moi, je ne la tricote pas toujours. Donc, je prends ma maille, mais comme ça. Je passe mon fil et je ramène une maille. Je pique, je passe mon fil et je ramène une maille. Voilà. Donc je vais faire ça tout le rang, pendant 3 rangs à l'endroit, 3 rangs à l'envers. Voilà, je vais aller jusqu'au bout, je vais revenir à l'endroit, je repars à l'envers, je repars à l'endroit, je repars à l'envers. Voilà, j'ai fait mes 3 allers-retours en jersey. Voilà, sur mes 51 mailles. Hein. Maintenant, je vous ai tout marqué, je vais vous le remarquer plus proprement parce que là, c'est vraiment moche, c'est ce que j'ai écrit, mais puis vous n'allez peut-être pas comprendre ce que j'ai marqué. Maintenant, on va entamer le dessus de pied. Donc, le dessus de pied, on a 51 mailles. On va en tricoter 20. Alors, je vais faire
Voilà, si la vidéo dure pendant deux, s'il y a deux, trois vidéos, tant pis, hein. Je vais en tricoter 20. Bon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc ces 20-là, elles vont rester sur l'aiguille de droite. Là, je vais tricoter les 11 du milieu, puisque j'en ai 51, 20 d'un côté, 20 de l'autre et 11 du milieu. Donc, je vais en tricoter 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la onzième, je vais la prendre avec la première. Alors, la onzième, je vais la prendre avec la première qui se trouve sur les 20, sur l'autre aiguille. Voilà. Alors, soit que vous faites un, vous la passez et vous faites comme un jeté, comme un surjet simple, soit que vous les prenez ensemble. Voilà. Donc maintenant, il me reste 19 là. Je vais revenir sur l'envers. Je tourne. Je retricote 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais prendre la 11e avec la première des 20 que j'ai laissées sur l'aiguille. Je les tricote ensemble. Et voilà. Et je recommence. Je laisse. Alors là, maintenant, je me retrouve avec 19 mailles sur celle-là. 19 mailles de l'autre côté. Et mets toujours mes 11 mailles du milieu. Et je vais faire ça pendant, on va dire, 5 fois déjà. Et après, on va voir, une fois que j'aurai fait mes 5 fois, on va voir si c'est assez pour le dessus du pied. Voilà. Voilà, je suis arrivée à ma dernière diminution. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. 2, 4, 6, 8, 10, 11, voilà. Je continue sur les 15 mailles restantes de l'aiguille, puisque j'avais 20 mailles d'un côté, 20 mailles de l'autre. Donc, je continue. Alors là, je me retrouve, je suis sur l'envers. Voilà. Voilà. Alors, il nous reste en tout, il nous reste 41 mailles. Il nous reste 41 mailles. Alors, on fait ou on ne fait pas. Moi, en revenant, là, je vais revenir sur l'endroit et je vais faire un rang de trou-trou pour passer un petit ruban. Voilà. Donc, on a fait le dessus du pied, là. Je ne sais pas si vous allez voir. On a fait le dessus du pied. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire un rang de trou-trou. Donc, ce qui veut dire que toutes les 3 mailles, environ, ou toutes les 5 mailles, même, c'est suffisant. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 à l'endroit. Je vais faire un jeté et je vais prendre 2 mailles ensemble. Parce que le jeté, comme ça remplace la maille que j'ai pris, que j'ai mis. Donc, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un jeté. Je passe ma laine devant et je tricote mes 2 mailles ensemble. Voilà. Une fois que je vais avoir fait ça, que je vais avoir fait tout mon rang comme ça, je vais revenir sur l'envers et je vais faire 25 rangs de côtes une et une. Alors, les côtes 1 et 1. C'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Pendant 25 rangs comme ça. Et on tricote les mailles comme elles se présentent au retour. Hein. Donc, je vous ai tout marqué. Alors, je ne sais pas si je vais vous montrer comment on fait les côtes. Je vais déjà vous montrer. Attendez.
Voilà, j'ai fait mon rang de trou-trou. J'ai pas, on va, on le voit pas bien encore, vous voyez, on les voit un petit peu là. Vous voyez? Et là, je fais maintenant une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit pendant 25 rangs. Hein. Alors, pour faire une maille à l'endroit, vous mettez votre aiguille à l'endroit, après vous repassez votre fil pour faire une maille à l'envers, et ainsi de suite. Hein, pour celle, si vous ne savez pas, je peux vous montrer. Bon, là comme j'ai terminé par une maille à l'endroit, je vais recommencer par une maille à l'envers parce qu'elle se présente à l'envers. Donc, la maille à l'envers, vous passez votre fil devant et vous tricotez votre maille à l'endroit. Après, vous repassez votre fil devant, enfin derrière plutôt. Enfin là, c'est devant et après, vous repassez derrière pour aller là, comme ça, à l'endroit, à l'envers. Et on passe toujours là. Il faut pas oublier de passer le fil devant, derrière, comme la maille se présente. Alors, quand ça vous fait un petit V, un V dans le jersey, ça vous fait, vous mettez votre laine devant, enfin derrière plutôt. Alors attendez, là vous avez un petit V. C'est pas évident à vous montrer. Hein. Je sais pas comment je pourrais vous montrer. Vous avez un pont, vous avez un petit pont. Vous voyez, à l'envers, c'est des ponts. À l'envers, c'est des ponts. Votre laine, elle doit être, toujours être devant vers vous. Et quand vous faites une maille à l'endroit, votre laine, elle doit être toujours derrière. Quand c'est le V, comme ça. L'endroit, c'est des V. Vous voyez, c'est des petits V. Voilà. Donc, c'est tout. Hein, c'est tout simple. Donc, je regarde ce que je vous ai filmé. C'est un petit peu du charabia, mais vous allez me comprendre. Et je vous montrerai une fois le chausson terminé et après on passe à la couture et à la déco.